fuite détectée sur le réseau intérieur, entre le mur et l'intérieur, dans une copropriété, une petite copropriété. Hop. Fuite. Maintenant, on va fermer la vanne qui correspond à l'extérieur. Hop. Une recherche de fuite pas compliquée. Mais c'est quand même suite à la demande du plombier. Là, on n'entend plus la fuite. On va recommencer. L'assurance habitation prend en charge la recherche de fuite, la démolition et le rebouchage, sauf la réparation elle-même de la fuite. Oui. Ça, il faut que vous fassiez appel à votre assurance. Comme ça, au moins, ça vous rembourse tout. À mon assurance. Habitation, votre assurance maison. Assurance. Oui, vu qu'on a une fuite encastrée entre la maison et l'extérieur. Oui. Cette idée, recherche de fuite. Vous m'avez parlé de la casse. Ça veut dire le démontage, la casse, pour remplacer le tuyau. C'est ça, vous le faites, vous ? C'est la compagnie qui. C'est le plombier qui nous a missionné qui. Ah, c'est. Bah, il faudra fermer la vanne en attendant. Voilà. Vu qu'on a une vanne qui fonctionne bien. Mais je peux faire marcher ma machine à Oui, c'est juste le robinet d'arrêt extérieur. Voilà, c'est juste ce robinet.